encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le sien. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous célébrons non pas un, mais deux très grands talents multiformes. Et quel talent ? Lynn Renaud et Stromae. Et quand j'ai appelé Lynn Renaud pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle m'a dit « Oh, Stromae, je connais bien, évidemment, elle connaît toujours ce qui est dans le futur. Et si on était intronisés ensemble ?» s'est fait longtemps désirer et attendre dans ce temple de la gloire dont elle est une sorte de divinité ou sinon de pitié, c'est qu'elle continue d'explorer d'autres univers d'excellence pour son talent. Lynn Renaud a amplement accumulé les succès qui lui ouvrent ce soir toutes grandes les portes de Grévin. Quant à notre ami Stromae, de retour d'une tournée triomphale aux États-Unis, je sais que par modestie, il récusera tous les termes plus superlatifs et même le terme de phénomène. C'est un choc incroyable. Elle a l'artissé ou c'est moi? Elle m'a tout piqué, hein, tout. Les cheveux, les yeux, même les bijoux. Je trouve que je lui ressemble. C'est un flot d'émotions qui arrive là. D'abord, je suis très honorée et heureuse d'être enfin entrée au musée Grévin. Je suis ravie de partager cet événement avec Stromae. Ouais, ça fait bizarre, en fait. Un peu surpris, évidemment, comme vous. C'est surtout le plaisir de pouvoir se regarder de derrière. C'est surtout impressionnant de voir avec quelle minutie, quel perfectionnisme vous travaillez tous. Merci à toute l'équipe du musée. Où vous allez nous mettre tous les deux? Vous allez voir. Vous allez voir. Tout à l'heure, j'ai dit bonjour à Jean Zélo, je croyais qu'il était là, c'était pas lui. Et là, enfin, la vraie statue existe. La vraie statue de Papa Outé. Mais on est ensemble, on sera ensemble. Voilà, on va faire une équipe de choc. Voilà. Lynn, tu regardes cela. Lynn, tu veux faire avec moi? Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire. Ces équipes, chacune dans leur atelier, c'est impressionnant de les voir tellement, tellement perfectionnistes et passionnés. C'est extraordinaire. Chapeau à tous ces artistes. Et merci de m'avoir accueilli ici. Je suis très touchée.